Nous sommes ici à l'Académie royale pour célébrer ensemble avec nos amis, nos partenaires marocains, le centenaire de la présence diplomatique suisse au Maroc. En 1921, la Suisse ouvrait un consulat à Casablanca et donc nous sommes arrivés en 2021 au 100 ans de ce partenariat, de cette coopération, de cette amitié entre le Maroc et la Suisse. Alors, nous avons décidé de placer cet anniversaire sous le sceau de l'innovation. Pourquoi l'innovation? Pour deux raisons principales. D'abord, parce que la Suisse est considérée, d'après tous les classements internationaux, comme le pays, et ce depuis plus de 10 ans consécutivement, le pays le plus innovateur au monde. Donc nous sommes les champions du monde de l'innovation. Et ça, nous le devons à nos entreprises, à nos sociétés, mais aussi, bien sûr, aux universités, aux centres de recherche en Suisse. Mais aussi parce que j'ai découvert au Maroc, depuis une année et demie, beaucoup d'innovations dans les universités, dans les centres de recherche, parmi la population générale. Et je crois qu'ensemble, nous pouvons trouver, avec nos savoir-faire respectifs, nos expériences respectives, nous pouvons trouver des réponses. Des réponses aux défis globaux, d'une part, mais aussi des améliorations. Des améliorations pour nos entreprises, pour les rendre plus compétitives, et puis des améliorations pour améliorer la vie de nos concitoyennes et de nos concitoyens. Et avec nos deux partenaires, l'Académie royale et l'Académie Hassan II des sciences, nous avons également, bien sûr, les gardiens et les promoteurs du savoir marocain. Donc voilà, c'est un grand programme, un cycle de conférences qui doit nous projeter ensemble vers les 100 prochaines années de coopération et d'amitié. Nous avons plus d'une cinquantaine d'entreprises qui sont actives au Maroc. C'est des entreprises qui amènent énormément de valeur ajoutée, qui amènent du transfert de savoir-faire, qui amènent également beaucoup de formation professionnelle. Et des entreprises qui ont des dimensions multinationales. Et donc c'est vraiment un apport de qualité avec ces entreprises qui s'intéressent au Maroc, mais également qui veulent, avec le Maroc, profiter, s'intéresser à la dimension africaine du Maroc. Vous le savez mieux que moi, le Maroc est très présent sur les marchés africains, mais aussi en termes politiques, diplomatiques, culturels, religieux, ethniques. Voilà, donc là, il y a une coopération, un renforcement mutuel qui peut se faire. L'année 2019, nous avons pour la première fois dépassé les 600 millions d'euros d'échanges commerciaux. Alors, cette un palier que nous avons franchi ensemble, mais il y a un potentiel de croissance qui est vraiment important. Donc c'est aussi des domaines que nous voulons explorer. Et puis nous voulons renforcer les acquis et développer de nouvelles coopérations, en particulier dans le domaine académique et dans le domaine de la formation professionnelle. Là aussi, la Suisse est championne du monde. Et par exemple, j'aimerais juste citer un exemple de coopération académique. C'est l'Université Ben Gurion et l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne, l'EPFL, qui ont développé ensemble un programme qui s'appelle « Excellence in Africa », qui est un programme qui va être inauguré tout prochainement et qui est extraordinairement ambitieux et qui place aussi le Maroc dans une dimension africaine tout à fait intéressante. Alors, les relations avec la Suisse sont très stables, sont solides. Elles sont basées sur la confiance, le respect mutuel et la transparence. Donc nous n'avons pas de zone de turbulence. Et puis nous avons cette envie de part et d'autre de renforcer cette coopération pour exploiter les potentiels. Les potentiels, ils sont politiques, bien sûr, mais ils sont aussi et surtout économiques. La Suisse est une grande puissance économique. La Suisse est aussi un centre d'innovation, un centre de recherche, un centre de formation professionnelle. Et j'ai noté avec beaucoup de satisfaction que les priorités, les visions du futur qui ont été développées par le nouveau modèle de développement coïncident exactement avec nos priorités, avec l'envie de ce que l'on veut faire au Maroc. Alors bien sûr, nous devons être les deux partenaires, mais c'est cette direction, je crois, que le Maroc veut prendre. C'est cette direction que la Suisse a également identifiée. Donc il s'agit maintenant pour nous de travailler sur ces 5 domaines de coopération identifiés par le nouveau modèle de développement.